Donc là, forcément, bah, il faut être une note de frais. Avant, il y avait l'assistante, qui était sa copine, au sens professionnel, bien sûr. Hein, bah. Et il disait, bon, là, tu as une note de frais, tiens, elle, en avant. L'assistante a pu. Ah, il doit rentrer dans un process, avec des process de notes de frais, c'est Dieu. Pour lui, c'est Dieu. Le doco, oh le doco. Le doco, c'est un outil magique pour la gestion de commandes. Facile à dire, moins à faire. C'est dématérialisé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Avant le commercial, il avait sa commande. Il sortait du resto, il avait la commande. Il appelait l'assistante, Mylène, tu me saisis cette commande pour du chemin. Allez, hop, en avant, hein, je retourne bouffer. Bon, très bien. Allez, en avant, bon. Normal. Mylène, pas de problème, mon Minet, je m'occupe de tout, bon déjeuner. Et Mylène, elle faisait tout. Maintenant, a plus Mylène. Donc le commercial, au lieu d'être peinard en train de bouffer et de choisir les menus, il est dehors sans putain d'ordinateur, avec Doco. Hein, Doco. Et il essaie de faire marcher ce Doco. Hein. Et Doco est exigeant. Doco veut toujours tout savoir sur un client. Mais le commercial, je m'en fous. J'ai vendu le truc. Hein. Démerdez-vous pour savoir où il habite, le code postal, le machin, c'est pas mon truc, le siret, j'en ai rien à foutre. Hein? Bon. Donc aussi, si je veux savoir. Bon. Alors l'autre, il a poum, 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 il met tous les machins. Hein? Et au moment où il fait, paf, c'est bon, tac, de coup bug. Oh. Alors il dit, j'aurais le fait d'aller bouffer. Aïe, 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 aïe.